Et bonjour à toutes et à tous, c'est Philippe de Passion GS, bienvenue sur The Forest pour cet épisode 3 en mode survie difficile. Alors, je vais prendre cette viande là après, il me faudrait de la nourriture pour avoir un max de calories. Alors, il n'y a pas encore eu le reset, le jour n'est pas encore levé, hein. Le jour va bientôt se lever normalement, on s'est arrêté là. Donc, je vais, en attendant que le jour se lève, qu'il y ait le reset des calories, on va voir... Oh, un lapin. Oh oui, va vers mon piège. Il nous en faut un, justement, pour avoir notre élevage. Il est où? Oh, va dans le piège, s'il te plaît. Ça serait tellement cool. On en a un, il nous en manque un pour faire un, pour démarrer un élevage. Je sais pas où est-ce qu'il est. En principe, ils y vont, hein, quand ils sont tout prêts, ils y vont d'eux-mêmes. Hein. Du coup, on va voir si... là, ça a tendance à remonter un peu. Du coup, j'ai brûlé un peu de calories, donc comme j'en brûle un peu là actuellement, ça va pas changer grand-chose en fait. Hein. Ça va pas changer grand-chose. Ok. Donc, ça serait bien, c'est que... Je trouve des animaux là... Qu'il y a un lapin qui se prenne dans mon piège. Qu'on puisse l'ajouter là, et puis que je trouve d'autres animaux. Je peux peut-être... Bah non, moi je vais pas prendre de poids, de toute façon, on voit que... J'ai pas assez de calories en trop. Par contre, je peux en brûler un petit peu pour gagner un peu de force. Voilà. Hop, on va faire ça. Quelques instants. Il y a un lapin qui se dirige vers le piège, regardez, vous le voyez? Il se dirige tout seul vers le piège. Et voilà, nickel, putain, c'est beau ça. C'est beau! On a gagné un peu de force, on a brûlé un peu de machin, de calories. Nickel. Alors on prend le lapin, voilà. Et on va le mettre... hop, voilà. Comme ça, on a nos deux lapins. Quand on dormira, ils vont se reproduire avec un peu de chance, hein, pas forcément. Ça peut ne pas arriver, mais... Ça peut arriver. Par contre, bon, il faut qu'on dorme pour ça. Mais en tout cas, notre élevage est démarré. Ça pourrait peut-être nous être utile. Donc, si on pouvait trouver, par contre, d'autres animaux, ça serait cool. Donc, je disais... Bon, on commence assez vite. Et on commence assez vite parce que la dernière fois, j'ai pas fait tous mes objectifs. Et... Donc je voudrais ne pas perdre de temps parce que là on doit retourner au yacht pour aller chercher le bateau et aller chercher, là-bas il y a un animal. Ah non, c'est un totem. On doit aller chercher l'arbalète, la meilleure arme du jeu selon moi. On va faire toutes les grottes aussi, les nouvelles grottes, hein. Comme ça on aura tous les plans. Donc, on pourrait aller ne chercher que l'arbalète, mais bon, ça sera fait, et puis voilà. Quoi. Je vais récupérer ça. C'est dommage, il n'y a vraiment pas... On sent vraiment qu'on est en survie difficile, il n'y a pas beaucoup d'animaux, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Si je pouvais en avoir au moins un, quoi, ça serait vraiment bien. On a eu notre lapin, bon, on a eu notre lapin. On est content, on a eu notre lapin. Le piège n'est pas baissé, là, non. On a notre élevage de démarrer. Là, il y a un lapin, là. Oh là là, si j'avais eu la... Ah, je l'ai eu. Si j'avais eu le lance-pierre, ça aurait été plus vite. Nickel. Nickel, nickel. On n'a pas des trucs à faire, au fait. On va regarder ça. Non, il n'y a pas de... Non. Bon, ok, ça ira. Ça ira, on a notre lapin, on va pas perdre de temps, on va tout de suite partir, le jour se lève. Je veux vraiment pas perdre de temps, le feu s'est éteint, on va le rallumer direct. On va manger, on va faire cuire le lapin, on va le manger. Hop, parce que je voudrais partir pendant qu'il fait jour. Pour pas voyager de nuit si possible, parce qu'on n'a pas la combi chaude, du coup la nuit, on est en survie difficile, du coup le froid fait beaucoup de dégâts. Hein, le froid, la chaleur, l'empoisonnement, tout ça fait beaucoup de dégâts.
Et de nuit, on survivra pas, je pense, si on fait pas un feu. Mettons lapin dedans, voilà. Je vais pas les prendre. Je crois qu'on en a en réserve près du yacht, hein, donc c'est pas la peine. Par contre, on a des trucs à crafter, je crois. Pot de serre. Deuxième pot de serre, ça nous fait... Deux pots de serre, une corde, ça nous fait la gourde. N'est-ce pas ? Yes, on va pouvoir mettre de l'eau dedans. On a une peau de lapin, attendez. La bourse pour les baies, c'est deux peaux de lapin. Le carquois, c'est trois peaux de lapin, une corde. Est-ce que je fais le carquois ou est-ce que je fais les bottes ? Il faut trois peaux de lapin ou alors la bourse. C'est pour ça qu'il faut faire un élevage de lapin. Il nous faut tellement de lapin, tellement de peaux de lapin. On va garder les peaux de lapin pour les bottes. Allez, on va garder les peaux de lapin pour les bottes. Il nous faut encore une peau de lapin, donc. On va manger ça. Voilà. Parce que les peaux de lapin, les bottes en peau de lapin, elles augmentent notre furtivité et aussi notre armure thermique, je crois. Le feu s'est éteint. Ah, c'est dommage, j'aurais pu mettre... Ah oui, il disparaît complètement. J'aurais pu mettre la casserole dessus, on aurait vu le glitch de duplication de la casserole sur le feu. Ok, bon, on a tout ce qu'il faut, je pense. On va y aller. Oh, je vais passer par là, ça ira plus vite. Allez, on va essayer de pas perdre de temps. Il faut vraiment se dépêcher. Je veux vraiment pas être... sur le bateau, sur le radeau par nuit, je pense que ça peut être chaud. J'aurais bien voulu récupérer les pièces de pistolet aussi, mais non, c'est pas là que je regardais, c'est dans l'inventaire. Oh, j'ai qu'un bâton de dynamite, du coup je peux faire des bombes peut-être, mais bon, j'ai qu'un bâton de dynamite, donc on laisse tomber les pièces de pistolet. On va se concentrer, hop, sur l'arbalète et les autres grottes avec les plans, comme ça sera fait. Les flèches, on repop. Oui, hop, je suis à fond. Qu'est-ce qu'on a besoin ici? Le scotch là, le ruban adhésif. Ok. Vite fait en passant, donc la grotte 5 ici, la grotte 5 où on a été chercher le recycleur, et justement j'en parlais là. C'est dommage que j'avais pas le... Oh, oh, bonjour. C'est dommage que j'avais pas la tronçonneuse dans les grottes, la tronçonneuse avec une torche dessus. Scotché dessus, c'est vraiment une arme. C'est vraiment efficace dans les grottes, c'est vraiment bien. Mais du coup, comme on n'a pas encore été là-bas la chercher, je l'avais pas dans la grotte 5. Mais c'est une arme que la tronçonneuse avec une lampe torche dessus, ça nous permet d'être éclairé. Parce qu'on a vu qu'avec l'arc, c'est galère avec l'arc. J'aurais pu mettre. Une lampe torche dessus, mais on n'avait pas encore de lampe torche à ce moment-là. On a eu la lampe torche au fond de la grotte 5. Au fond de la première partie avant le recycleur. Ok. Du coup, je vais prendre ça. Je vais manger parce que si j'ai l'occasion... Bon là, je vais pas avoir trop l'occasion, mais on va commencer à faire monter la force tant qu'on peut. Manger 1210. Hop, on va en prendre encore parce que je prends sur moi, j'en mange. Et je vais prendre celui-là aussi. Tiens, hop, voilà, comme ça c'est fait. Est-ce que j'ai encore une tortue, une carapace de tortue? Non, j'ai pas de carapace de tortue. Y a pas une tortue là sur la plage?
s'il vous plaît. Merci. Une tortue, c'est possible? Non, apparemment, il m'a dit non. Ah, mais en normal, il y en a tout le temps, des sans arrêt. On est en survie difficile, j'ai tué deux tortues, il n'y a plus de tortues. Ok. Je perds pas de temps, je peux aller sur le... Ah, pour sauvegarder peut-être. Sur le bateau, non. Non, j'y vais pas, je perds pas de temps. Le jour va avancer. Je voudrais aller chercher l'arbalète au plus vite. Ah, j'ai pas, un petit peu soif là. J'ai un petit peu soif. Vide. Ah, j'ai oublié de prendre de l'eau. Bah, il n'y avait pas plus de toute façon. Il n'y avait pas d'eau dans le truc. Voilà, on va avoir du soda. Ça nous donne des calories. Donc, on va aller chercher cette arbalète. La meilleure arme du jeu. L'arme que je préfère, moi, en tout cas, depuis qu'elle est apparue dans le jeu. Hein. Avant, c'était. Avant, mon arme préférée, c'était le. L'arc. Ouais, l'arc. Avant l'arc moderne, c'était déjà l'arc artisanal. Avec les fléchettes enflammées. Avec les fléchettes. Avec les flèches enflammées. Avec les flèches enflammées, c'était vraiment, vraiment super. Hein. Pour faire des dégâts, c'était cool. En plus, pendant qu'ils sont en train de brûler, ils t'attaquent pas, quoi. Ils se débattent. Donc, c'était vraiment génial. Après, même pour faire des headshots, hein, c'est même avec l'arc artisanal, avec n'importe quelle flèche, on fait un headshot. Du coup, c'est l'arme. C'est l'arme de base, quoi. C'est ce qu'il y a de mieux, hein, l'arc. Attaque à distance en plus, tout ça. Bon, vous connaissez, hein. Et puis après, il y a eu l'arc moderne. Bon, évidemment, plus précis, plus puissant, avec les flèches modernes. Excellent, quoi. Sauf que l'arc moderne, on l'a assez loin dans le jeu, quoi. Donc c'est un peu dommage, mais enfin bon. Et puis le pistolet. Bon, le pistolet, pas mal, mais manque de précision. Et puis. Long à recharger, mais bon. Long à recharger encore. Mais sinon, très puissant, hein. Très fait énormément de dégâts. Mais du coup, avec l'arrivée de l'arbalète, bon, l'arbalète, c'est pareil, elle est très longue à recharger comme le pistolet. Mais je crois que ça doit être le même temps de rechargement, peut-être à peu près, je sais pas. Je sais pas précisément, mais en fait, ça y ressemble, c'est assez long. Mais en tout cas, très puissant, très puissant, très puissant. Là-bas, il est là-bas. On va d'abord prendre les flèches dessus, comme ça, après on repartira directement là-bas au fond. D'accord, le soleil est déjà très haut. Il faudrait qu'on aille chercher le deuxième là-bas avant la nuit pour pouvoir retourner au camp et se mettre à l'abri. Voilà, on a pris les flèches. Deux carreaux seulement, oh, ils ont un peu été généreux. Hein. C'est aléatoire, hein. Des fois c'est deux, des fois c'est trois, des fois c'est quatre. Je crois qu'il y a des flèches encore sur des rochers plus loin. Je crois que c'est sur l'île plus loin qu'il doit y avoir des flèches aussi cachées dans des rochers. Sur l'île plus loin, il y a un rocher à faire exploser pour avoir une pièce de pistolet. Il est où le truc qui est là-bas? Voilà. On peut plonger tout de suite. Non, on peut pas plonger tout de suite, Philippe. Parce que il faut mettre le recycleur d'air, sinon tu vas te noyer. Hop. Voilà. Mieux comme ça. Hein. Ah, j'aurais pu remettre une bouteille d'oxygène, tiens. Tant pis. Je pense que ça devrait aller. Du coup, ouais, sur une île plus loin, il y a une pièce de pistolet à récupérer, mais bon, j'ai pas de dynamite, du coup je ferai ça plus tard. Surtout que là, faire les trois. Faire les trois cachettes sous-marines là pour récupérer les cartes, ça va peut-être me prendre tout mon temps. C'est assez long à faire. Et puis je voudrais faire ça dans la même vidéo parce que sinon, comme ça vous voyez, vous avez tout vu comme ça. Vous avez tous les emplacements, les ombres, on peut pas les récupérer. Donc on est arrivé là, on va allumer le briquet. Hop. Bonjour la grotte de l'arbalète. Magnifique. Alors ici on a des carreaux, nice, 3. Plus 5. Et là on en a aussi. Plus 2. Et normalement je suis à 10.
Bah, je suis même. Ouais, je suis à 10. Je peux plus en récupérer normalement. Là. On va prendre la carte. Qui nous permet. Enfin, la carte. Ouais, le plan, quoi. Hein, qui nous permet de faire une croix, un cercueil et une église. Normalement, je suis à fond en flèche. Je sais pas s'il y en a encore. Hop. Le beau dessin de bateau. Et la belle arbalète. Magnifique. Magnifique arme. Oui, mon arme préférée. Bon, voilà, il n'y a plus rien. Je regarde quand même, mais... De ce côté-là, il n'y a rien. S'ils auraient pu mettre un peu de flèches de ce côté-là, par exemple. Enfin, de carreaux de ce côté-là, par exemple. Voilà. Allez, au revoir la grotte, parce qu'on reviendra pas ici. Et plus de raison, hein. des carreaux, on en trouve sur l'île, enfin sur la terre ferme, donc c'est pas la peine. Maintenant on peut sortir. Donc ensuite, autre arme préférée, la tronçonneuse, hein. Comme je disais tout à l'heure. Je l'ai dit non? J'en ai parlé? Ouais, j'en ai parlé. Dans les grottes. C'est vraiment génial. Sort de là. Sort de là. Voilà. Dans les grottes, la tronçonneuse avec une torche dessus, c'est vraiment l'idéal, je trouve. Parce que bon, bah, souvent c'est des couloirs, du coup c'est vraiment efficace sur les mutants qui viennent sur nous. Les cannibales qui viennent sur nous. Après, j'aime bien la lance améliorée aussi, mais sur les solitaires là, sur les. Tiens, on va se faire la tortue là. Sur les quand les parce que quand il y a beaucoup de cannibales, la lance améliorée, bon, c'est un petit peu délicat, mais c'est assez amusant. Mais en difficile, peut-être moins, peut-être. Non, en normal, c'est vachement efficace la lance améliorée, j'aime bien. Hop. Du coup, en normal, je suis en train de jouer, faire un tour sur mes parties en normal et en difficile. Et le soleil est là, on va peut-être avoir le temps d'y aller. Là-bas. Et sur mes parties en difficile, je regarde vite fait pour vous montrer. Il n'y a pas les calories quotidiennes là. Cette ligne-là n'a pas été ajoutée. J'ai pourtant joué, sauvegardé, quitté, mais je sais pas si j'ai relancé. Non, je crois que j'ai relancé. Non, ça n'a pas apparu la ligne. Ah, il faudrait que je réessaye. Mais c'est dommage. Du coup, si on voit pas les calories, c'est dommage quoi. Bon, enfin bon, ça gêne pas trop quoi, je vais pas acheter mes sauvegardes en mode normal et difficile, juste parce qu'on voit pas les calories, hein. Rien à foutre. J'ai passé trop de temps dessus, quoi. Trop de temps à construire. Le soleil avance. Je pense que ça devrait être bon, hein. Je pense qu'on va y arriver. C'est après là-bas, hein, après les conteneurs. Tant qu'on n'est pas par nuit, ça va. Parce que si on est mouillé par nuit, tout ça, on va mourir, je pense. On survivra pas. Je vais juste regarder vite fait parce que là, il y a un emplacement de pistolet, une cache de pistolet, mais je crois qu'il y a des carreaux d'arbalète aussi ici. Il y a un emplacement de carreaux d'arbalète caché. J'aurais pu avancer un peu plus. Là, il y a l'emplacement de pièces de pistolet. Et j'aurais pu le faire en même temps si j'avais eu des bâtons de dynamite. Et c'est là, voilà. J'ai retrouvé. Je savais qu'il y avait des carreaux d'arbalète cachés quelque part derrière un rocher ici. J'avais trouvé en venant, en passant par là.
pour aller à la cache d'armes du pistolet là. J'avais trouvé cet petit emplacement de carreaux d'arbalète. Je peux pas les ramasser, je suis à fond. Hein. Et du coup, ils sont là, non? Ils sont par terre? Ils sont là. Ok. Bah, du coup, voilà. Vous avez trouvé une petite cache. Vous avez découvert, si vous ne saviez pas, une petite cache de carreaux d'arbalète. Si jamais vous venez chercher le pistolet ou quoi. Après, vous n'êtes pas obligé, hein, comme je l'explique dans ma vidéo. Il y en a dans le Geese Lake et il y en a dans le Grand Lac aussi là-bas. Du coup, vous pouvez refaire le pain normalement. Et si vous quittez et que vous relancez, vous pouvez les récupérer encore et encore, quoi. On est bon? Ouais, on est bon, là. Ça va aller. Comme ça, on aura fait ces deux-là. On aura fait ces deux-là. Et puis, il en restera une de l'autre côté de l'île, tout là-bas. Et on n'aurait pas eu le temps de faire les caches d'armes en même temps. C'est un petit peu long à voyager... Bon, les conteneurs, on les a pas fait. Le radeau, je vais le laisser là. Hein. Je vais pas le ramener là-bas. Tant pis. On en refera un. On en refera un au yacht, s'il faut. Donc là, je me dirige droit sur le morceau de bois flottant. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Franchement, l'accueil de la deuxième vidéo a encore été énorme. Tous vos commentaires me font chaud au cœur, me font vraiment plaisir. Vraiment très plaisir, hein. Parce que ben, le format 1 heure ça vous va, tout ça, et puis le format full let's play où je fais pas de coupe, tout ça, ça vous plaît. Voilà, j'essaie de parler quand même. Bon, il y en a toujours qui diront que je parle trop, qui diront que je parle pas assez, ou enfin, j'en sais rien, mais voilà, on y est. Hein. Du coup, je perds pas de temps, j'y vais, vous avez vu, on est arrivé au bois flotté, je perds pas de temps, j'y vais tout de suite parce que je voudrais revenir à mon camp avant la nuit. Et du coup, ben, je suis très content de voir les commentaires que vous laissez. Tout cet encouragement et tous ces messages où vous me dites que ben, c'est super, quoi. Ça fait vraiment plaisir. J'essaie de répondre à tous les commentaires. Hein. Au moins, je laisse un merci beaucoup. Mais... allume ton briquet. Je commence à avoir très froid là, c'est chaud. Hein. Hop, le plan 3, je crois, c'est le plan 3 celui-là. Hein. Ouais, le plan 3 sur 4. Ok, et ça c'est... Il n'y a pas de feu ici, hein, des fois. C'est vrai que quand on plonge, on a vraiment très froid. C'est dommage. Hein. Il faudrait vraiment avoir la combi chaude. C'est un petit peu chaud à faire au début aussi. Hop. Allume. Là, il y a des flèches, des carreaux d'arbalète. Là, il y a le plan 4. 2, ouais. Ouais, c'est 2. Ouais. Le 4, il est là-bas. C'est la... Le deltaplane. Là, il y a encore des carreaux d'arbalète, mais bon, on est full, hein, donc... Voilà. Bon, il n'y a plus rien. On va ressortir tout de suite. C'est trop froid pour rester ici. Essayer de remonter. Pour l'instant, je subis pas de dégâts, mais quand je vais commencer à subir des dégâts, ça va faire mal. Ouais, du coup, ça fait vraiment plaisir parce que le format 1 heure vous plaise et le format full let's play. Parce que comme ça, on fait une journée sur The Forest, ça dure à peu près 30 minutes, enfin un peu plus, je sais plus combien exactement. Un peu plus de 30 minutes, du coup, ben, en faisant un peu plus d'1 heure, on fait 2 jours. Donc du coup, ça va bien, quoi. 2 jours. Attends. Je vais remettre une bouteille d'oxygène. Je pense que j'ai assez, mais... j'ai pas sauvegardé. Je meurs pas de froid, autant ne pas mourir du manque d'air. Mourir noyé. Si je meurs pas de froid, autant pas mourir noyé. Voilà. Il fait encore jour, j'espère. Je pense qu'il fait jour encore. Allez, vas-y, remonte, s'il te plaît. Plus vite. Voilà.
Le jour se couche. On va aller laisser le radeau sur la plage là-bas. Et on va retourner à notre camp. Il est pas très loin là-bas. Il est juste derrière les arbres. Ça va pouvoir se faire un feu. Bah ça va, j'ai plus froid là. Là j'ai plus froid. Parce que je suis revenu dehors. T'as vu, dans la grotte, j'avais froid. Hein. Même hors de l'eau. Hein. Là je suis sorti, c'est parce que je suis dehors. Hein. Du coup, je me rappelle que la première fois que j'ai vu le monstre Worm, là, le vert, c'était ici. C'était en sortant de la grotte, là, je crois. J'étais sur la plage, je crois que c'est ici. C'est pour ça que je me disais que ce serait marrant de le voir. Ok, j'ai pas été au conteneur. Est-ce que je prends le temps d'y aller? Je vais prendre le temps d'y aller, peut-être. Je pense que là, on est bien. Hein. Là, je pense qu'on est bien. Il y a juste un document à récupérer. Il y a peut-être quelques trucs à loot. Ça, je suis à fond. Ah, c'est pas ici. Hop. Il est là. C'est les trucs du... Encore une tortue. C'est le manifeste. Y'a pas de bouteille rien du tout là? Là-bas non? Enfin, je peux pas le prendre. Je suis à fond. Ouais, je suis à fond. Bon, d'accord. Bon bah let's go alors, on va retourner au camp. Et comme ça, on n'a plus qu'une grotte à faire, c'est cool. Ouais, du coup, je disais, j'essaie de répondre à tous les commentaires, mais si on pose une question, je réponds, mais sinon, je mets au moins un merci beaucoup et puis un petit cœur, là. C'est pour vous montrer que j'ai bien lu votre commentaire. Je mets pas juste un merci beaucoup sans lire, quoi. Oui. Je prends le temps de lire tous les commentaires, hein, vous inquiétez pas. L'avion est là. Voilà. J'ai même eu un commentaire, je l'ai mis sur Discord, c'est assez marrant. Le mec trouve que je suis trop long sur une vidéo de 8 minutes, que je suis trop long. ok. Oh, du calme! Ça pour bloquer les attaques. Merde. Cette violence. Très bien d'essayer de dormir. Allez. Pour que mes petits lapins se reproduisent. Ouais, venez pas attaquer mes lapins, vois. Oh. Yes. On l'a eu. Nice, allez hop. On se casse, bon normalement là je suis en sécurité. Je vais dormir, je vais manger. Voilà. J'ai de la viande. On va la prendre parce que si jamais ça pourrit, ça serait dommage. Si je la laisse dans mon inventaire et qu'elle pourrit, ça serait dommage. Celle-là. Ouh, par contre. Je vais avoir besoin de faire un feu maintenant, ça m'arrange pas ça. Ça me fait perdre du temps. J'aurais préféré dormir. La combi chaude, les amis, la combi chaude, c'est la vie. Je peux enlever le respirateur par contre. Combi chaude. On a la peau de raton laveur, mais voilà quoi.
6 pots de serre. Il faut les avoir. Hein. J'en vois même pas des serres, moi. J'en ai vu 2, je crois, depuis le début de la partie. Là. Les sangliers, c'est dans le nord. Il faut monter pour les trouver. Une peau de lapin, ben, j'en attends une troisième pour faire des bottes. Ok, bon, on est bien. Allez, hop, on va essayer de dormir. Voilà. On va sauvegarder aussi pendant qu'on y est. Hop. Voilà. Et voilà. On va faire ça. Hop, on en a mis un. Le deuxième, voilà. Bon, ils sont pas venus nous attaquer ici, hein, les cannibales, là. Comme quoi, ça montre qu'on est vraiment safe, hein. Ils auraient pu venir nous attaquer, mais apparemment, non. Est-ce qu'on a eu un petit lapin? Est-ce qu'on a eu un petit bébé lapin? Non. Non, non, non. Ah, ça marche pas à chaque fois. Hein. Il y a un pourcentage, hein, de réussite, si je puis dire. Pourcentage de réussite. Et oui, donc, ben voilà. On a pas eu de chance, là. Il n'y a rien par ici. Pas de petit lézard, pas un petit quelque chose. On va aller manger nos deux morceaux de viande, et puis on va partir tout de suite. Hein. Dommage. Un petit lapin, ça aurait été cool, hein, petit bébé. Bon, on n'a pas un bébé, hein, c'est un lapin adulte, hein, qui arrive tout de suite. Allez. Hop. Comme ça. Ça, c'est bien. Là, il n'y a pas d'eau dessus. Il n'y a pas plu depuis... Yes. Ok. On a perdu un peu de force. On était, non, on n'était pas à 20,9 à un moment. Non, je suis pas sûr. Bon, on va aller à l'autre bout. On va repasser. On va repasser par le village, le grand village. Et je suis coincé. À l'autre grotte, on ira à la nage. Normalement, ça pose pas de soucis. Hop, c'est quoi ça? Petit champi. Hop. Ah, nickel, bébé. Une petite poche, ça serait bien pour les récupérer. Pour récupérer masse B, pour avoir une bonne réserve sur nous. Ah, j'ai cru que c'était un lapin. J'ai cru que c'était un lapin, j'étais prêt à lancer ma lance, toutes mes forces. Là-bas, une biche. Oh, deux biches! Oh, c'est dingue! Voilà. Il nous faut de la peau de biche, hein. Genre, elle est où? Attends, what? Non, tu déconnes ou quoi, là? Attends, t'es sérieux? The Forest, t'es sérieux, là? Ouais, ça vient de me mettre un bâton là où je pense. Ah, elle est là. Oh, ça, j'ai eu peur. Balance. Ah, ça y est. Ouh, j'ai eu peur. Parce que déjà, si déjà que c'est rare. Alors, si en plus on les perd. La deuxième est partie. Loin ou pas loin? Deuxième biche. Ah, un nouvel animal, on a découvert un oiseau. Elle est partie vraiment? C'est dommage, hein, parce que... Bon, ok. C'est tombé alors. On n'en voit pas beaucoup. Hop.
Alors, je voudrais bien faire grimper. Bon, j'ai pas encore eu l'occasion vraiment de m'arrêter sur ça. Je voudrais bien faire grimper ma force pendant les parties là. Je regardais sur ma vidéo normale, même en difficile, je crois. Je me suis. Oh, vas-y, toi. Oh, raté. Reviens. T'es où? Ah, ok. Raté. Je me suis vraiment pas occupé du poids, quoi. La plupart du temps, je suis affamé. Du coup, je suis au poids minimum sur mes deux parties. Je suis à 155 livres. Et c'est le poids minimum. Hein. Le poids maximum, je sais pas, ça doit être 255, je crois. Le poids maximum, ça doit être 255, je crois. Je suis pas sûr. Et du coup, et ma force, elle est au minimum aussi. Et par contre, mon athlétisme est à 99, le maximum. Mais la force, je m'en suis vraiment pas occupé, en fait. Du coup, j'ai jamais grimpé en force, quoi. Et comme j'avais tout le temps... Comme j'avais jamais un max de calories, quoi. J'étais jamais en positif en calories, j'ai jamais pris... Oh merde! Oh merde! Je les ai réveillés, je crois. Je les ai réveillés. C'était dans leur village tranquille et moi je débarque courant. Hein. Je vais pas les affronter. Pourquoi j'ai eu des commentaires. Pourquoi est-ce que je les affronte pas? Parce que je vais pas. Ils sont forts. Ils sont forts et je suis sous-équipé. En fait, je dois avancer assez vite. Je dois aller chercher d'abord du matos avant de les affronter, du coup. C'est pour ça que, pour répondre à une question que j'avais eue là, c'est pour ça que je les affronte pas systématiquement à chaque fois que j'en croise. Parce que, on perd du temps. Donc, je vais attendre un peu d'être un peu mieux, quoi. Parce que là, il faut que j'aille les... Si je les affronte... Ça va être chaud. Enfin, mais il faudra que je les affronte parce que j'aurais bien récupéré des os pour faire de l'armure, mais... Et après, ça va aller mieux, on va aller chercher le dernier plan là-bas. Là, on a l'arbalète. L'arbalète, d'ailleurs, on pourrait peut-être la mettre sur le sac. Elle est là, l'arbalète avec les carreaux. On va la mettre à la place de la... À la place de la hache de secours. Voilà. 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 Donc on va aller faire... La dernière fois, j'ai pas eu le temps. Hein. On a fini vraiment... la dernière vidéo, on a fini sur le fil, encore une fois. Hein, à la fin, quoi. On était à 1h06, je crois. Du coup, là, si je perds du temps, je vais pas avoir le temps d'aller chercher le dernier plan. Et je veux le faire aujourd'hui, quoi. Dans cette vidéo. Après, on aura peut-être un peu de temps pour... Pour tuer les gens. Pour tuer des indigents. De la forêt. Hop, souci. Faudra que je regarde aussi pour me faire... Faudra que je regarde pour me faire des remèdes de plantes, si je peux en faire un maximum, là. Il n'y a pas une biche, là. Souvent, il y a des biches dans cette clairière, là, souvent. Souvent... Bah oui, souvent, on peut s'écraser ici, exactement ici, avec l'avion. On s'écrase exactement ici. Du coup, ouais, souvent il y a des biches ici, quand on sort de l'avion, quoi, de l'épave. Ah. Il est tout seul, le monsieur, là. Ah non, ils sont là-bas. Ah. Cache-toi. Ils n'ont pas vu. Ils remontent, parce que là-bas, c'est... Ah, ils m'ont vu! Ils m'ont vu, les... L'énergumène.
Oh, il y a une biche là. Bon, on se bagarre ou quoi? D'accord, on se bagarre. Oh là, mais appelle pas tes copains, toi. Là, tu l'appelles ses copains. Je sais pas si avec l'arbalète, je peux faire une flèche. En un carreau, je peux tuer la biche. J'ai pas envie de perdre mon carreau, du coup, j'hésite. Headshot. Headshot. J'attends d'être assez prêt pour lui tirer dessus. Parce que je veux pas perdre mon carreau dans la nature, là, si je le rate. Feuille récupérée. C'est pas un pissenlit, c'est un pissenlit normalement. Il est où le corps? Il est là. Ils sont partis, les machins? Putain, il y en a qu'un du coup. Ah, ils reviennent. Ok. Je voudrais brûler plusieurs corps, j'ai pas brûlé qu'un corps. Alors venez s'il vous plaît. Maintenant qu'on a commencé à se battre, allons-y. Reviens. Reviens. Ici. Oh, dans le dos. Oh, quelle traîtrise. Oh, quelle traîtrise. Je suis un traître, ça y est. Je tire dans le dos des ennemis. Mais il a fui. Je peux rien, il a fui. Allez, viens, s'il te plaît. Viens, 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 viens. T'en vas pas, elle a un carreau sur elle. C'est à moi, le carreau. Reviens. Non, je crois pas. Elle s'est barrée, là. La vilaine. La vilaine. Hop. C'est bon, j'ai tout récupéré dessus. Ok. Voilà. Oh non, elle est partie avec un carreau d'arbalète sur... sur son corps. C'est chiant, ça. Et le cerf, il est parti? Enfin, la biche. Bibiche. Bibiche. Où es-tu? Oh, mais là, bah, elle est derrière moi. Reviens. Et reviens, toi aussi. Oh, mais pourquoi vous partez tous, là? Est-ce que je suis si violent que ça? J'aurais pas la tête là. Voilà, je l'ai eu. Est-ce qu'elle revient là, l'indigène là? Mince. Je suis à fond, hein, d'accord. Est-ce que je peux. Non, c'est que de la viande crue, d'accord. Bon, elle m'a piqué un carreau, là. Ça, j'apprécie pas le vol. Hein. Merde. Ton briquet, crétin. Voilà. On est à combien de peaux de biche, alors, du coup, maintenant? Deux, vraiment? Sérieux, c'est... Et deux peaux de lapin. Ah, combichode. Six peaux de biche, dis donc. Avant, on pouvait la... Je suis en train de réfléchir. Avant, on pouvait la mettre, je crois, les peaux de biche. Non, on pouvait pas mettre juste les peaux de biche comme ça. Ça faisait de la... Il me semble que si, hein. Ok. Quand je pense que mes deux saisons, c'était pendant le l'early access de The Forest. Cette saison-là, c'est ma première saison avec la version finale. Après, j'ai fait des... voilà. Nickel. Nickel. On reste combien des autres? 3. Il n'y en a plus là. Il n'y en a plus là. Non. Bon.
Et donc, ouais, j'ai fait des vidéos en... Des vidéos tuto, mais j'ai pas fait de saison depuis... Depuis la sortie de 1.0. Petit lapin, s'il vous plaît. Petite biche, s'il vous plaît. Ah, une biche. C'est 4 biches. Non, c'est 6 pots de biche, je crois. 6 pots de biche. Ah, oh non, mais reviens. Je te fais pas de mal, hein, je te jure. Reviens. Yes. Il y a du monde là-bas. Faut aller chercher le dernier plan avant la nuit. Hein. Ouais, en viande, je suis à fond. La nuit avance. Hein. Oh là là, il faut que je... J'ai pas le temps. Il m'a fait peur. Il m'a fait peur, putain. Il m'a body block. Waouh, le coup qu'elle m'a mis. Quelle violence. Putain, elle m'a enlevé un machin d'armure. Alors, on va le trouver, non? On le voit d'ici, je pense. Que je me rappelle. C'est là-bas, non? Non, ou c'est là, non? Normalement, on le voyait là, voilà. À la pointe de ma lance, là. Si vous le voyez. Là, on le voit mieux, là. En haut, au milieu de l'écran, mais on le voit mieux si je mets comme ça. Il est en haut de l'écran, là. Allez, go. J'ai pas sauvegardé, j'ai pas sauvegardé. Ah si, j'ai sauvegardé. Si, en campement, enfin, c'est assez loin. C'est là que je me fais bouffer par un requin. Yeah. Pas de requin dans les parages, normalement, non. Allez, let's go. C'est là, comme ça, ça sera fait avant la nuit. Sinon, on aurait eu des problèmes. Bon, on a vu sur les cannibales, hein, l'arbalète c'est vachement efficace. Je parle pas des one shot, bien sûr, c'est pareil. Hein, mais même dans le corps. C'est profond, c'est profond. Quel plaisir de redécouvrir quand même, putain. Ah ouais, faut replonger là. Il y avait rien là par terre autour, rien non plus. Je regarde pendant qu'on est là. Hein. Non, il y a rien. Ok, bon, allez, on plonge. C'est des bibles qui traînent. Bah oui, mais c'est des bibles qui traînent dans l'eau là, qui flottent. C'est dingue. Hein. C'est comme là-bas quoi, en fait il y a eu un moment c'était pas il y a eu une barque là, du coup il y a un moment c'était pas totalement submergé quoi. C'était pas totalement submergé. Alors ici on a ça, hop, on va le prendre. Oh, je pense avoir froid. On a le plan, hop, du grand 8, nickel. Il y a rien là, je me rappelle pas, il y avait rien là. Ah bah si, je me disais bien qu'il y avait quelque chose, des carreaux d'arbalète.
Il y en a encore là. Ok. Bah du coup il y en a dans toutes les grottes, dans les trois grottes quoi en fait. Ok, adieu. Je remonte, parce que j'ai froid. J'ai très froid. Je vais devoir faire un feu, je pense. Elle remonte. Faut déjà retourner sur la berge. Comme je suis à la nage, ça va être assez long. Parce que je crois qu'on ne peut pas remonter juste en face. Je suis pas sûr, mais... Alors, dis-moi qu'il fait encore jour. Voilà, voilà, voilà. C'est haut, c'est haut, c'est haut. C'est profond, c'est profond, c'est profond. Voilà. Bon, j'ai au moins... Au moins, on aura fait les trois grottes dans ce let's play. Je crois qu'il est tard là, hein. Il est très tard, non? Ouais, le jour se couche. Je peux pas remonter là, je vais devoir aller là-bas, je crois. Ouais. C'est pour ça que bon, c'est bien. Si on a le temps, si on veut prendre le temps, on fait un radeau, ça va plus vite. Ou alors on prend le temps de nager, mais. Je crois pas qu'on puisse remonter là directement. Ici peut-être, non? Je suis pas sûr. Peut-être ici, non? Je crois pas. Non, on peut pas. Oui, tu y es plus. Je vais passer plus de temps à essayer que de temps à faire le tour. Et vas-y là, vas-y. Oui, je peux le faire. Non, je peux pas le faire. Non mais je crois que je l'ai déjà essayé, je sais pas si quelqu'un a déjà réussi. Putain mais je suis coincé là. Ah ouais, il y a un rocher là. Allez. Je passais plus de temps à essayer que de temps à rejoindre la rive là-bas. En plus je vais commencer à avoir très froid. Falloir faire un feu, je pense, assez vite, avant de prendre le chemin du camp. On va faire un... Ah non, on va faire autrement. Je suis pas obligé de retourner à ma base, hein. Je vais faire un petit camp près du grand village. Un abri de rondin, vite fait, je pense que c'est pas fort. Peut-être ici, non? Bon, on est presque arrivé, hein. On va pas s'embêter. À 3 heures de jeu, on a déjà récupéré tout ça. Le prochain coup, je... Le prochain coup... Bon, on va... Ouais, on va... Le prochain coup, on va récupérer absolument la grotte 2, la hache moderne, tout ça. Je pense qu'on va faire ça. Je vais me rapprocher du village hein, pour faire un camp. Je vais faire un abri de rondin. Un petit peu. Oh, il y a encore du monde par ici. Ils sont pas partis les copains là. On pourrait faire le katana aussi, mais ils sont là les enfoirés. Vite. On n'a pas le temps de se battre. C'est la fin de la vidéo. La prochaine fois, si vous voulez. La prochaine fois, on aura le temps, on sera moins pressé, on pourra.
On va faire la grotte 2 et puis la tronçonneuse, je voudrais faire aussi. Hein. La tronçonneuse, c'est ouais, c'est dans, dans l'autre grotte. Hein. C'est dans la grotte 1, mais en passant par la grotte 3. Encore un vêtement ici, on va le prendre. Hein. Je suis à fond. Ah bah, je suis à fond. J'ai mis un sweat sur moi. Ça va me tenir chaud peut-être, non? Ah, DB, nickel. Vas-y. Ok. Je vais mettre un petit plan de... Ici, on est bien là. Vas-y. Ça nous ferait un petit campement ici du côté du grand village. Un petit abri de chasse comme ça. Je vais me rapprocher un peu quand même. Oh, ils sont en train de se rapprocher aussi, eux. Bon, pas de compte, on va rester là, on est bien. Hop. Il manque une pierre. Voilà. Bon, normalement, ça me donne de la force. Je vais juste vérifier que je suis pas en négatif. Non, c'est bon. Okay. Attends. Attends. Enlève ça. Enlève ça. On va faire un feu en priorité. Voilà. Ouf. Ok. On est bien là, il y a la nourriture. Bon, je suis à fond. Voilà. On va pouvoir se faire un petit poste ici. Ça va être nickel. Ah, j'ai enlevé ça. Comme ça, pour le prochain coup, bah c'est pareil, je suis près de du grand village. Je referai le tour du grand village et puis ensuite on ira du côté du village près du lac, un peu plus loin à l'entrée, parce que dans le grand village il y a l'entrée corde de la grotte 2, mais on va passer par l'entrée grotte. Nous on va passer, il y a encore deux rondins là-bas, je vais mettre un banc tout de suite. On va passer par l'entrée grotte, ça sera mieux pour arriver à la hache moderne. Comme ça, on aura ça sur nous. Hop. Nickel. J'ai de la viande sur moi, je crois. Hein. On va mettre un petit... séchoir. Hop. Un petit séchoir. Comme ça. Tout sera nickel. Ça aussi, si jamais. Voilà. Comme ça, ça nous fait un campement complet. Oh, celui-là est pourri, hein. Celui-là est pourri. On va le jeter. Nice. Bon, mais c'est cool. Ah, on a de la visite. On avait fini. On avait fini avec un peu d'avance. Ouais, la tronçonneuse, ça me plairait bien aussi.
Mais c'est pas grave, on fera la 2, la grotte 2. Oh punaise, oh, je l'ai eu dans la tête. Je pensais pas, hein, j'étais pas sûr. Hein. Là c'est parti, nickel. Bon, écoute. Allez hop. Ton copain a eu peur, hein, je crois. Quand j'ai sorti mon arbalète, il s'est cassé. Hein. Ok. Comme ça, on fera toute la grotte 2. On fera la... bah, en fait, elle est pas si grande que ça. Enfin, si, il y a une grande partie à un endroit, mais il y a un grand trou avec. Il est là-bas. Avec de l'eau dans la grotte 2, mais il y a rien du tout. Ça, c'est une perte de temps d'y aller. Il y a rien du tout au fond. Du coup, en fait, ça peut aller assez vite à explorer. Donc on aura peut-être le temps de faire la 2 et après peut-être on ira faire la tronçonneuse, comme ça on aura la tronçonneuse. Faut faire la grotte 1, je pense qu'on peut. Hein. Ok, il est parti Toto là. Ah, il est là-bas. Oh, il y a un lapin là. Oh, viens ici petit. Parti. On a le temps pour toi, viens. Parti vraiment loin, putain, ils s'en vont vraiment loin les animaux. Hein. Ils savent. Oh, on l'a vu là. Oh, attends. Je sais pas. Je crois qu'il est là. Oh, je l'ai raté, il est parti. Vous avez vu? J'ai tiré à peu près comme ça quand je le voyais pas. Je le voyais pas. Il est là. Je peux pas annuler mon tir? Ah non. Bon, il est parti. Hein. Bon, bah du coup, tant pis. Bon, on va s'arrêter là. On est bien. Le prochain coup, donc, direction grotte 2. Puis peut-être on fera la grotte 1 aussi, si on a le temps. Bah, je pense qu'on aura le temps. Maintenant qu'on est bien. On a de quoi se refaire une armure d'os. Hop. Voilà. Notre inventaire il commence à bien se remplir. Ça va aller plus vite. Se remplir maintenant qu'on a fait le plus long. Là c'était long parce qu'il y avait du trajet en radeau. Hein. J'espère que j'ai assez parlé pour vous occuper quoi, parce que sinon. Sinon c'est long les trajets en radeau de l'autre côté là-bas. Et puis ça je vais la mettre. Et on n'a pas encore tout ce qu'il faut. Il nous manque encore 3 pots de serre pour faire la combi chaude. Hein. Et puis il nous manque aussi des pots de lapin. Il n'y a pas beaucoup d'animaux. Ok, bon, on va dormir là. Je vais vous laisser ici, du coup. Merci beaucoup d'avoir regardé. Merci pour tout votre soutien, tous vos commentaires. Continuez, parce que ça me fait hyper plaisir. Hein. Sans ces encouragements-là, ben, je sais pas si on continuerait. Hein. Du coup, ça fait vraiment du bien. Voilà. Sauvegarde J, s'il vous plaît. Est-ce que je peux dormir peut-être? On va dormir ici, non? Allez, on dort. Comme ça. C'est fait. On fait J. Et on sauvegarde. Et voilà. Quoique la nuit était bien avancée, j'aurais peut-être pas dû sauvegarder. J'aurais peut-être pas dû dormir. Ouais, pour cette aventure, je suis plutôt satisfait. On a bien avancé encore. J'espère que vous appréciez. Merci d'avoir regardé. Merci d'être encore là. Merci infiniment à tous. N'oubliez pas le pouce en l'air, l'abo, le commentaire. Prenez soin de vous et à bientôt pour la suite. Bisous, bisous. Bye.